Yon lot fwa, go bonjou, bonsoir tout moun, mersi pou fidelite nou avèk ekip Mombad Media nan la, depi Mombad de Polis. Se yon plezi pou nou rejwenn nou pou yon lot video. Si se premye fwa vizite nou enfòmasyon nou pataje ou enterese ou, pa bliye abone avèk Mombad Media nan, epi ouvri chèn notifikasyon. Sa pèmèt ou fè pati ekip notifikasyon Mombad Media nan la. Men nou pa pèdi tan, nap komanse. Cool, yeah. Aéroport international tout c'est l'ouverture nous venons recevoir matériel ça qui ça c'est des moules métalliques ça yo il va permettre nous couler béton pour nous faire base fondation donc logement que nous va faire pour policiers pas oublier ça a exactement 3 mois c'était 14 septembre sous maintenant patronage président de la république là son excellence Jovenel Moïse, sous patronage Premier ministre, là, qui c'est ingénieur Joseph Jout, moi-même ministre Affaires sociales, nous étions accompagnés du directeur général EPPLS. Là. Nous avons lancé chantier, construction, logements sociaux, ça y est, donc dans Charbonnière, Delma 33. Et nous pas oublier que dans le lancement, nous avons parlé de 690 appartements. Donc 690 appartements, ça y est, nous avons gagné dans 30 bâtiments, 23 bâtiments qui vont le construire et qui ont nous 690 appartements. Donc, nous, dossier à avancé, nous faisons de grands pas, tout travail, terrassement, nivellement, tout ça fin fait. Nous revenons en phase fouille et puis matériel ça y est, qui va le permettre nous tout de suite là, commencer à poser fondation, poser base. Kaisayo, bon, qui bral servi de logement pour agent PNH. C'est une compagnie mexicaine, son firme mexicaine. Donc ça veut dire que c'est des matériels qui sortent au Mexique. Là, nous gagnons un jeu qui vient là dans 10 caisses. Et qui bral banou yon moule et qui bral servi au fur et à mesure pour nous capables de faire maintenant fondation pour les béton, fondation. Il y a l'autre matériel qui peut rentrer. Parce que là, nous connaissons la foncaille, nous parlons de fondation, nous parlons de base là. Mais nous connaissons, nous ne pas arrêter dans la fondation, dans la base là seulement. Nous avons des matériels qui vont venir, qui pour nous faire santado, qui mieux, élévation, yo, et puis pour dalle là tout. Donc, nous avons des matériels qui déjà, le processus là déjà lancé. Et d'ici mois de janvier, nous espérons que nous sommes capables de retourner, venir là. Pour nous recevoir l'autre matériel ça va servir pour élévation pour et puis dans le caissage. Jusqu'à présent, malgré tout aléa, toute contrainte, nous dans le délai. Pendant que nous sommes avec une non responsable chantier, donc qui montre nous, selon le calendrier que nous avons établi, n'a pas avancé très bien. Et nous souhaitons, nous espérer que nous continuions à respecter le calendrier pour que dans 10 mois, nous en fassions une réalité. Nous ne pouvons pas venir ramasser nos matériaux, nos matériels, nous sommes en face de building flambant tout neuf
et qui pour maintenant accueillir famille policiers avec policiers. Si on promesse des campagnes, président de la République là, il te dit s'il arrive président, eh bien il y a trois catégories sociales qui sont policiers, enseignants, infirmières, qui pas toucher gros l'argent, mais il faut qu'ils permettent un logement décent pour dormir. Mais le programme a lancé déjà, le travail a commencé déjà, mais je dis, c'est moule fondation qui arrive là pour aller préparer fondation pour construction ça yo. Et puis après nous avons recevoir l'autre équipement et moule élévation moule d'alio qui a fini, mais je dis là nous venons recevoir moule fondation yo, et c'est une technologie qui a permis la construction fait rapide et nous avons 690 appartements qui va le construire dans 10 mois, c'est rapide. Et je dis là son bonjour pour nous, c'est travail là qui a continué là. Parce que dans le jour de la vidéo, la fondation a commencé à faire là. Après ça, pour recevoir mi-élévation, et puis dalle, et puis pour building, camper. Et puis dans 10 mois, nous allons loger 690 familles policiers. Nous, dit policiers, la police là, nous allons faire sans la police, okay, qui est représentée là. Eh bien, nous dit policiers, c'est vérité, le travail a commencé déjà, même nous rentrer là, et qu'il n'y a pas bien inquiété. Dans 10 mois, nous avons logé 690 familles policiers et nous avons projet toujours pour nous construire l'autre encore. Le moment où nous avons arrivé à inviter la presse pour nous commander combien nous avons construit encore, c'est un programme lié. C'est commencé, nous commençons aujourd'hui à là. Nous disons policiers, nous avons gardé Calio et comme nous avons espéré, pour nous reloger en pile policiers qui vraiment qui habitent au sein des quartiers précaires, qui menacent la vie, qui mettent dans l'insécurité. Et bien c'est ça que le président de la République, l'administration Moïse Jout là, dit policiers sur le capteur et tout, il faut les reloger, il faut les mettre de côté, dans un logement décent pour qu'ils vivent normalement avec la famille, pour qu'ils capables d'accompagner le peuple, pour qu'ils répondre à la mission qui c'est servir et protéger. Alors, je vais faire une intervention magistrale, même avec le ministre, avec le directeur général là, qui parlait et largement. Mais moi venu tout simplement. DGA délégué, mon commandant chef là, pour me capable assister débattement et pour me capable bouer et moi-même pour me capable faire le rapport. Et tout simplement ça me vient faire. Mais si il y a d'autres questions qui concernent ça, je pense que là mieux que c'est probablement avec le commandant chef de la police nationale qui a pris mesure pour l'élaborer un peu plus. Nous-mêmes, nous avons une obligation pour faire ça nous aider un conseil national chaque année entre les deux congrès. Le Conseil national, là, c'est une réunion de toutes les coordinations départementales en APIA. Nous gagnons, nous-mêmes nous divisé en quelque sorte PIA sur le plan politique, nous gagnons 14 coordinations. Et 14 coordinations, ça y est, dans chaque coordination, nous avons un centre de communes et communion, toutes communions représentées. Donc, les communes là, un jour d'IA là, c'est pour nous prendre des décisions, analyser performance, garder faiblesse et ensuite proposer des corrections et faire des changements à l'intérieur de structure. Les conditions difficiles qui viennent dans le pays, premièrement Covid, deuxièmement insécurité qui plane sur tout le pays à la côté que nous n'avons pas qu'à déplacer. Parce qu'il y a des gens qui t'a sorti la Tibonite, mais il y a plein de gangs. Il y a des gens qui t'a sorti dans le sud, dans le nord, dans tout le département, a fait kidnapping, qui a fait dans le pays là tous les jours. Donc, il y a des posés problèmes, nous analyser, nous comprendre. Et maintenant, nous comprenons que nous n'avons pas qu'à prendre de risques sur le monde, sur les militants, sur les dirigeants, qui viennent là, qui tapent. Et ça, nous avons des gros problèmes avec Paris, avec nous, et nous-mêmes avec conscience. Donc c'est pour cette raison que nous utilisons ta qualité technologique. Côté que coordination qui est dans la région, là, c'est-à-dire dans la région métropolitaine, il y a en présentiel, et nous utilisons Zoom pour faire avec les autres départements, c'est-à-dire le département du Nord, du Sud, tous les autres départements. Là, on a gagné là, sous écran de télévision, ça. Toujours là. Côté que vous intervenez, nous suivons toutes les démarches là, et nous arrivons à faire des changements pendant
et structure bâtie. Et donc, là, à ma gauche, et Daniel Sublis, c'est un nouveau vice-président bâtie qui sont confirmés là par le Conseil national. Là. Nous avons là Yousnan, Etienne, qui c'est une femme, qui sont nouvelle vice-président que nous avons là Batia. Et nous avons l'autre vice-président en or, c'est encore une femme. Vice-présidente. Qui c'est tu l'amènes. Donc c'est un militant Batia, c'est un dirigeant en or que nous élevons au rang de vice-président. Et nous avons une dans grande danse, c'est chevalier qui est élevé au rang de vice-président et qui a coordonné en quelque sorte grande danse. Donc, il y a Fritz Jacques, qui est un ancien vice-président, qui retourne vivre dans le service, et c'est vice-président dans le département du Nord-Est. Comment un parti politique restructuré, est-ce que travaille ça dans la fusion? On a utilisé la technologie qui est à disposition pour permettre que toute coordination, 14 coordinations que parti a gagné. Il y a 4 qui étaient là, il y a 4 représentants qui étaient là dans la salle et il y a tout l'autre qui a suivi nous par Zoom jusqu'à présent qui débranché, qui a suivi la conférence de l'instant. Donc nous voyons le travail pour que nous allons rencontrer l'autre organisation pour présenter la proposition de l'architecture. Architecture gouvernementale de rupture que nous proposons pour après départ Jovenel 7 février 2021. Nous avons un mandat pour aller travailler, rencontrer les gens pour nous proposer architecture là. Nous avons un mandat pour aller parler dans la presse, pour être capable de mettre les mains dans la patte là, dans la bataille là. Comité à partir de travail qui fait, réflexion qui fait sous constitution de manière systématique depuis mars 2007. Gagné entre mars 2007 et 2008-2009, il y a 3 commissions prévalent de mettre en place. Plus chambre députée a mis en place une commission qui produit un rapport, et États généraux produit un rapport sur la Constitution, enfin, on passe un rapport États généraux sur la Constitution, et puis Office de la protection des citoyens produit un rapport sur la Constitution. Donc, on a une masse de données. Ça que le comité a fait, c'est que l'IA a gardé un rapport ça yo. Qui point qui méritait approfondissement. Et c'est sous base ça que l'orienté et travail li, gagne l'autre point qui déjà pas de problème, que tout le monde d'accord sur yo, et nous quitter de côté. Et point que nous avons choisi de mettre éclairage sur, c'est question régime politique, question soit pas soit prétendu ou régime présidentiel, soit par le régime présidentiel ou soit quitter. Régime parlementaire à Jean-Wel, Jean Léa. Et si on passer non parlement monocaméral ou bien soit quitter le régime et parlement bicaméral Jean Léa, et non décentralisation, est-ce qu'on va quitter pouvoir local avec le conseil d'administration Jean Léa, avec cartel magistrat, ou bien est-ce que on va passer avec un maire? Et est-ce que l'autre niveau de pouvoir qui pas jamais mettre en place, section communale et département, comment qui mécanisme mettre en place pour capable, est-ce qu'on va supprimer section communale, ou qu'il y ait commune, etc. Donc, c'est cette décision qui méritait un approfondissement. Il y a l'autre question critique qui était déboussée, qui était déjà traitée, mais nous reprenons. Et comme question système électoral noir qui posait problème et bon problème de complexité système non et acteurs qui ont pas qu'un acteur qui intervenu CEP et exécutif et parlement qui intervenu dans la question seulement validation et publication et déjà proclamation résultat et publication résultat validation pouvoir donc trois acteurs qui intervenus dans le même système là donc pour capable rationaliser il y a une question coût élection il y a une question et mandat yo, qui dispersé donc pour capable rationaliser yo. Donc ces premières phases là nous rencontrer experts sur question critique ça yo, et gagner l'autre question qui vient paraître pour nous comme une nécessité, c'est question inclusion économique et financière. Constitution 87 là, t'es énoncé liberté économique, mais liberté économique là, c'est droit pour monde capable de créer entreprise, liberté prix, etc. Et nous, ça baille tout. Mais nous venons que avec population noire qui exclut
de système bancaire là, qui exclut le système financier là, système économique qui exclut. Donc nous obligés à gagner un principe qui d'inclusion économique et financière. Donc c'est nouveau. Et ça, nous avons organisé une séance, c'était déjà une documentation qui existait de ça, qui existait sur ça, mais le 18, nous avons fait une grande rencontre avec des experts haïtiens qui sont en Haïti et experts haïtiens qui sont à l'étranger, qui sont capables de voir comment nous sommes capables de formuler le principe d'inclusion économique et financière, de telle sorte que les haïtiens qui ont un projet, ce n'est pas système pour bloquer, au contraire, tout système de mettre en place pour favoriser et réaliser le projet. Maintenant, une fois que, à partir de 18, et nous parlons examiner toutes les données nous gagnons pour nous capables élaborer un nouveau projet constitution. Pas nouveau projet, mais avant projet. Et avant projet, à partir du mois de janvier, nous avons voulu bailler toute organisation de la société civile, donc tout secteur de la société, y compris le secteur politique. Et pendant tout mois janvier et deux premières semaines de mois février, nous avons venu pour nous rencontrer tout secteur, nous parlons dans le département et tout, pour nous capables rencontrer et les gens qui sont dans le département, pour nous prendre un avis. Et c'est à partir de ça que nous pouvons faire projet, que nous pouvons mettre exécutif là, le 26 février, en tout cas c'est date limite, que nous prévoyons et remettre pour le projet constitution en bail exécutif là. Et travail commission lui-même, il était pour faire consultation, pour être capable d'élaborer un avant-projet de constitution, pour le soumettre les bail population, et en tout cas tout au moins secteur représentatif dedans. Et en dans la société, à barreau, et professionnels, et droits humains, paysans, etc., secteur paysan. Mais après, une fois que nous finissons de faire consultation, ça, c'est des mini-assises que nous allons faire, publiques, qui pourraient l'ouvrir au public, qui pourraient diffuser, en tout cas, tout au moins sur les médias sociaux. Et une fois que nous finissons de faire ça, nous avons élaboré le projet. Et n'a pas mettre les exécutif là. Maintenant, et tout l'autre processus qui pourrait être fait après eux, c'est le pouvoir exécutif là qui pourrait rentrer comme acteur dans le nouveau processus. Choix le bataille, on a dit, c'est défendre les droits fondamentaux parmi tous les droits qui existaient. Les droits fondamentaux, qui, le premier droit, c'est le droit à la vie. Et le droit à la vie, c'est le premier droit de tous les droits. C'est un droit qui enchaînait tout droit, parce que c'est le premier. Donc, dans ce sens-là, nous constatons dans l'année 2020, ça qui là, qui va finir, qui a fini le 1er janvier, 31 décembre, qui a fini là, eh bien, nous constatons qu'il y a des centaines de citoyens, des hautes personnalités, doivent violer, et à travers la violation des gens, à travers kidnapping, à travers massacre, à travers assassinat. Par exemple, là, regardez, comme maître Montfrié d'Orval, yon bâtonnier de l'ordre des avocats, yon avocat, yon éminent avocat, yon défenseur des droits de l'homme et les droits fondamentaux, et qui t'a défendu, qui t'a fait promotion pour état de droit. Pour yon constitution, nouvelle constitution, qui t'a fait promotion pour une nouvelle constitution, contre que droit monde respecter tout bon vrai à travers la nouvelle constitution. Ça. Donc, nous avons un monde comme ça, yon, qui massacré à cause de l'injustice, à cause de l'impunité qui a blâmé dans le pays. On a fait là pour former nous, pour aider nous, pour nous connaître qui doit nous, qui devrait nous en tant qu'être humain. Bon, pour bien dire, nous avons en pile d'activités que nous organisons. Nous faisons en pile de marches pour nous capables de montrer qui ça nous capable de faire. Ce n'est pas seulement former les jeunes, mais nous faisons l'autre activité qui est capable qui fait l'autre. C'était le 10 décembre 2017, nous avons 3 ans d'existence. En 8 décembre 2018, nous, à l'occasion journée mondiale des droits femmes, nous avons fait une sortie. Et la sortie nous avons fait, ce n'est pas seulement avec membres ONACSIC que nous avons fait, nous avons gagné l'autre organisation qui était là ensemble avec nous. Et les gens qui étaient dans la commune Carrefour ont participé ensemble avec nous. Et n'a pas le plus loin qui était. Nous avons gagné 20 novembre 2018. Nous avons fait une séance de sensibilisation. Le mouvement, ça, nous avons vraiment réussi. Et tant d'autres comme, étant donné que nous n'avons pas besoin de tout rapport, comme nous avons besoin de mobiliser l'autre jeune pareil, nous,
me présenter pour montrer que nous capables aller dans l'organisation, nous capables connait droit nous. C'est pas seulement les nous ouais moun yo a mobiliser dans la rue, c'est pour ça organisation là. Organisation pas là seulement pour ça, li là pour former nous en tant que jeunes pour demain si Dieu veut pour nous gagner en Haïti meilleur. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.